we could wake you know. I think you get we do bala. No more mass are the bala. No more mass are the content of Patando, but I did go on. Mais non, je. Et faut que nous disions, supposez nous cap bail médicaments, cap bail même tout c'est tout, non de vous faire, non vous faire tout c'est dit, ok, ok. Alors maintenant, ouais comme d'insister, non mise en contexte émission, vous me dites nous pour ne pas le temps pour nous tendre. Émission matin débat jeudi 15 juin 2020. Il est extrêmement important parce que gè des fois nous perdu nous-mêmes nan goumen chaque jour nan chercher manger. Madame monsieur si montrez nous message qui sous téléphone moi. Non seulement yo en pile mais tout message yo aller dans seul sens. Moun qui besoin coup de main, moun qui besoin assistance. Et problème yo pas trop différent. Et puis fort message yo c'est problème manger. Le coup est sur avou et on 1000 goudes. Fais un cadeau pour me faire manger pour petit monde une semaine ça. Le coup est sur cas voyant 500 gouttes sur téléphone moi parce que depuis matin beaucoup manger. Le coup quand il moins bout moi pas qu'à payer. Est-ce qu'on capable aider me payer quand là? Le coup moi gagne on m'a tout moins c'est la caille que me taillé. Et ben il mettait me dehors avec un petit monde qui sous bram. Le coup moi son maman cinq petites. Papa quitte à Timounio, mais pas capable de manger. Louko, moi j'ai trois Timoun sous bras, papa là le papa travaille, donc obligé de frapper porte matin débat. Donc en fait, jeudi, vu la situation et précaire que nous avons jeudi, les esprits sont donc préoccupés à la survie. Donc toute préoccupation jeudi, c'est qui j'en a fait Kembe dans un moment ça. Comment on a fait Kembe dans un moment? Et je dis, dans quel que soit famille, hein, quel que soit janvier bagaille là, à quel que soit mon appel là, l'imam Abdou que c'était d'abord. C'était d'abord. Donc, c'est garder la paix, c'est garder qui j'en li kakembe. Qui j'en que ça le capable de consolider. Ça le c'est garder la gade comment le kakembe, combien de temps le kabali. Donc, si vous avez la banque, qui met la banque, si vous avez la banque, qui est dans la parce que. Li peur pour comme ça pas passer parce que fuck li kembe. Je dis à préoccupation tout le monde c'est comment m'ka kembe? Comment m'ka kembe face à cette situation? Coronavirus a déjà vu compliqué donc tout ça nous est déjà comme le problème, comme problème pratiquement dans le pays. Mais est-ce que je dis à tout nous garder donc l'avenir? Est-ce que nous garder donc demain matin? Je crois que non. Par exemple, il y a monde qui a pensé à demain matin. Sinon, des secteurs de la population, je sais, qui disent qu'il y a tant d'élections, puis il y a en fait, des mouns, donc canet rouge, carton rouge. Sinon, des secteurs de la population qui disent qu'il y a tant d'élections pour pas voter mouns encore. Mais écoutez, madame, monsieur, est-ce que je dis à vraiment nous focus sur l'avenir? Est-ce que je dis à vraiment nous connaître ça qui a passé demain matin dans le pays? Il y a donc une réflexion que j'ai produite. Et je l'ai publié également dans le cadre d'une vidéo sur ma page Facebook, madame, monsieur. Et je dis à me que nous-mêmes haïtiens, pour nous entendre nous sous ça, quel que soit côté dans le pays, quel que soit côté sous la planète là, comme haïtien, vous voulez que nous entendre nous sous ça aujourd'hui. Et quel que soit jeune garçon, jeune femme, leader politique, femme ou garçon, qui a appelé pour aller prendre pouvoir demain matin, nous voulons que nous tendions ce mardi matin dans l'émission Matin Débat. En 2020, nous devons être nos objectifs 2054. Notez en fait quelque part samedi là. En 2020, nous devons être nos objectifs 2054. Ça fait exactement 34 ans. Nous avons 34 ans là, madame, monsieur, pour nous mettre ensemble pour un projet pour Haïti. Pour l'année 2054. Et ceci, ça a gagné une double signification. D'ailleurs, et pour reconnaître une génération, on a besoin de 25 ans. Pour tout projet durable pour un pays, on a besoin minimum 25 ans. Je dis à la République dominicaine, on parle de Dominicani, un projet pour la République dominicaine en 2040. Je dis, on nous bat tête, nous, ça, madame, monsieur. Et quel que soit leader politique, monde qui parle à l'élection, parti politique,
monter un projet pour Haïti pour 2054. Parce que 2054, ça va mettre nous à 250e de l'indépendance. Nous avions raté 2004, les 200 ans d'indépendance. Maintenant, on commence à préparer, on nous focalise, on focus, madame, monsieur, sur les 250 ans de l'indépendance. Okay. Maintenant, pour nous arriver en 2054, pour nous arriver à concrétiser, madame, monsieur, les 250 ans de l'indépendance, pour nous dire que je dis à comme nation et que nous fiers, on a fêté 250e anniversaire d'indépendance. Nous, faut nous qu'a dit tout, en fait, madame, monsieur, en 34 ans. En 2020, mais côté nous t'aillez. En 34 ans, en 2054, mais côté nous y est, je dis. Et la raison pour laquelle, moun qui parle bon pouvoir le matin, garçon et femme qui parle l'élection de matin, constituez-vous en équipe. Parce que ça doit être, en fait, le travail d'une équipe. Ça doit être l'objectif d'une équipe. Et c'est pas deal et puis une baffel. D'ailleurs, on a vu ça avec René Gassabreval. René Gassabreval avait un plan de 25 ans pour Haïti, finalement. Avec plan ça libre en pouvoir. Et puis après ça, donc c'est l'entrée de la tiroir. Donc, ou même qui c'est jeune garçon, jeune femme, qui tout pas en pouvoir. Et tout secteur dans le pays, il y a le secteur économique, la classe politique. On nous bat tête nos objectifs 2054. En 2054, la jeunesse de ce pays. Jeunesse. Ouais. On va être l'objectif 2054 pour faire que nous gagnions 250 ans d'indépendance. Ça va avoir exactement 34 ans. En 34 ans, à partir d'aujourd'hui, on nous dit qui projet durable que nous fait et que nous allons réaliser ensemble, madame, monsieur, pour nous, au moins mettre Haïti dans un certain niveau. Il n'y a pas de pays sans plan. Il n'y a pas de risque. Et puis, on va parler de pays, on va parler de gouvernance, et il faut qu'il y ait un plan. Et plan, il n'y a pas fait sous 5 ans. Correct. Non, c'est clair. Qu'est-ce qu'on a fait pour un pays qui est aussi malade que Haïti? Pas aucune équipe là qui a fait rien là pour 5 ans. On est qui monte là, qui dit on va changer ceci, on va changer la vie, peuple. Il n'y a pas être dans la campagne, dans le rassemblement. Il dit on va changer. Haïti pral vin yon pays émergent et Haïti pral d'ici pral date dans 5 ans là. Dis le carrément c'est menti. Menti, il pas capable. Dis le carrément c'est menti. Même yon pays qui a marché 5 ans, li trois petit pour régler yon bagay qui m'te ka dit qui pour retirer pays à des états à un autre. Voir nous gagnons un pays où tout est prioritaire. Tout secteur malade, l'on parle de éducation, ou est-ce que secteur malade? On ne peut pas tout faire en 5 ans, non. Bien entendu. Ça, c'est clair, ça, c'est clair. Ou l'on parle de éducation, on parle de justice, tout secteur, Haïti malade. Donc, d'où la nécessité pour gagner un projet durable qui est bien ficelé, bien détaillé, pour dire, mes côtés nous y est, et puis mes côtés nous pourraient aller, une telle année, correct. Mes côtés nous pourraient aller. Donc, nous en 2020, 34 ans, ça a. On doit se donner un objectif, madame, monsieur. Voilà. On doit se donner un objectif. Pas que des personnes qui viennent là, voilà, c'est le baba tête objectif, ça. Pas que des personnes qui viennent d'où que je dis, c'est élection liée, m'ban l'élection pour mon président, m'ban l'élection pour mon sénateur. Non. On doit se donner un objectif. Et comme étant donné que nous avions raté les 200 ans d'indépendance, nous pas célébrer 200 ans. D'ailleurs, on pourrait que tu es un gros complot dans la question de 200 ans. C'est un gros complot sous 2004 là. Et c'est pas sans raison quoi, que le pays colonisateur était metté avec des nègres dans le pays, des haïtiens dans le pays, pour te boycotter les 200 ans de l'indépendance d'Haïti. Vous comprenez bien? Donc le pays colonisateur, qui c'est la France, était metté avec des conseillers qui fait de complicité. Et puis ils ont boycotté. Donc les 200 ans de l'indépendance, madame, monsieur, donc c'est 2004 que nous ratons. Maintenant, donnons-nous, madame, monsieur, pour objectif 2054. Ça va nous donner pratiquement 34 ans. Nous avons 34 ans exactement devant là. Maintenant, on nous dit que dans 34 ans, mais qui ça a fait dans le pays? Dans 34 ans, mais côté nous voulons aller? Dans 34 ans, mais qui décision qu'on a pris ensemble? Laisse ça, non seulement on a un pays qui est neuf, mais deuxièmement tout, on est capable en mesure pour nous fêter les 250 ans, madame, monsieur, de l'indépendance. Pas que des personnes qui sont là, yo même comme seul homme, comme seule femme qui a sauvé le pays. D'ailleurs,
un président ne peut rien faire en 5 ans. Ok? Pas qu'un président qui a fait rien là en 5 ans. Ok? Tout ça qui est important là, c'est une équipe. Et que l'équipe, ça l'est constituée, jeune garçon.